pourquoi TestaChat a-t-il décidé d'intenter une action en justice contre Apple ? Alors TestaChat a décidé d'introduire une action en justice contre Apple parce qu'Apple ne respectait pas la loi belge sur la garantie. Cette loi prévoit que tout consommateur a droit à un délai de garantie de 2 ans et pendant les 6 premiers mois, le défaut de conformité est présumé exister, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui doit prouver que le défaut provient d'une mauvaise utilisation par le consommateur. Or, Apple n'offrait une garantie que d'1 an et faisait payer toutes sortes de suppléments pour pouvoir étendre cette garantie et les mentions sur son site internet ainsi que sur ses produits étaient tout à fait illégales et trompeuses pour le consommateur. Bien, et maintenant, où en sommes-nous ? Alors, nous avons conclu un accord avec Apple qui prévoit que cette dernière sera désormais tenue de se conformer à la loi belge et qu'elle informera tous ses distributeurs des droits relatifs à la garantie belge et que ces derniers devront faire valoir ces droits auprès de tous les consommateurs belges. Aujourd'hui, pratiquement, que conseillez-vous aux consommateurs ? TestaChat recommande à tous les consommateurs de nous informer de leurs aventures, de leurs expériences avec Apple. Si vous constatez qu'Apple ne respecte pas la loi sur la garantie et l'accord qu'elle a conclu avec TestaChat, consultez notre page Facebook, informez-nous et contactez notre centre d'aide individuelle. Merci.